Eh bien, Claudette, à toi l'honneur. Merci. Alors, les gagnants ou la gagnante, c'est Céline! Je peux pas accepter ce trophée-là. Puis c'est pas parce que je suis pas fière de mon disque en anglais. Au contraire. Je suis très fière de mon disque. Et je tiens à remercier toute l'équipe de CBS qui m'encourage puis qui me supporte partout à travers le monde en tant qu'une chanteuse québécoise. Et je tiens à remercier le public aussi parce que je pense qu'eux autres ont compris que j'étais pas une artiste anglophone. Partout dans le monde, je dis que je suis fière d'être québécoise. Et j'aimerais faire une petite suggestion aux gens de la disque. Moi aussi, si je peux me permettre. Au lieu d'appeler ça le trophée, c'est-à-dire la nomination pour l'artiste anglophone de l'année. Pourquoi on n'appellerait pas ça l'artiste québécois, s'étant le plus illustré sur un plan international? Je pense que ce serait une réflexion beaucoup plus juste du travail que certains artistes ici, que font les artistes québécois ici. Merci.